qu'avez-vous fait de plus fou par amour? De plus fou? Ouais. J'ai attendu toute une nuit en hiver. Oh là. Une fille devant chez elle. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? Dites-moi dans le commentaire, même là sur Instagram, écrivez-moi là pour me dire votre avis. You ready? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super. Très bien. Super bien. Vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, super bien. Et vous, ça va? Très bien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, super bien. Et vous, ça va? Ça va et vous? Ça va et toi? Ouais, super bien. Je vais rester avec ta casquette. Hein. Ok. J'aime bien. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Ouais, super bien. Ah, j'aime bien le rouge. Hein. Ah, merci. Mais vraiment le fou. Hein. L'origine? Vietnam, Martinique, France. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super bien. T'es de quelle origine? Congolaise et française. Congolaise, française. Ah ouais, super bien. Tu parles lingala? Ouais. Une salutation, beauté. Beauté. Beau gosse et tout, les t-shirts également. On essaye un peu, tu vois. On essaye tranquillement. Mais toi aussi, j'aime beaucoup ton t-shirt. Oh, merci beaucoup. Coucou. Salut. Ça va ou quoi? Ça va. Un beau sourire. Hein. Merci. Vous venez du travail ou quoi? Non, non. Enfin, ouais, mais je garde des gosses. C'est à côté du taf. Devant chez elle. Ouais. Elle n'est pas sortie pendant toute cette nuit. Elle n'est pas sortie toute la nuit. Elle est sortie que le matin. Que le matin? Que le matin. Et votre réaction, c'était comment? Bah, j'étais amoureux. Du coup, j'étais content qu'elle sorte. Ah ouais? Je me suis dit enfin. Enfin. Enfin, elle est là. Ah ouais. Bah, une nuit, c'est long. Hein. Ah ouais. Comment vous faites le plus fou par amour? Non, moi, y a rien. Rien du tout. Non, rien du tout. Rien? Non. On vous a même rien fait également et. Non, je suis jamais sortie avec quelqu'un. Ah ouais? Ouais. Vous n'avez pas d'ex? Non, pas du tout. Est-ce que d'abord vous êtes en couple? Non, je suis célibataire. Non, je suis célibataire. Oui. Non. Non. Je suis plus en couple là. Ouais, bien sûr, elle est juste derrière. Big up. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? J'ai payé un gros voyage. Et je me suis fait tatouer pendant ce voyage pour avoir un souvenir de cette personne-là, sauf que bah... Ah ouais, c'est pas le mec qui a payé, mais toi? Non, c'est moi, ouais. Non, c'est moi, c'est tout moi, ouais. T'as tout assuré, le séjour, tout? Ouais, le train, l'hôtel, tout. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté Bah... une rupture pas facile, franchement, ah ouais. Non, mais c'était cool, c'était de bons moments. Juste ouais. À deux, voilà, vous avez passé des bons moments à ouais. Deux. Voilà. Ouais, c'était quand même de beaux souvenirs. Et tu t'as fait tatouer un petit tatouage, je sais pas. 5 heures. Ah ouais, sérieux? Ouais. Tu l'as fait? Ouais, ouais, ouais. Et t'as écrit quoi? J'ai rien écrit, c'est juste un cœur rouge, tout simple. Jusqu'à présent, tu en as? Ouais, je l'ai toujours là. Et quand tu regardes, tu penses à lui. Hein. Ouais, ça fait chier. Ah ouais, un message pour lui, si tu regardes et si tu tombes par hasard sur cette vidéo. Bah, tant pis pour lui, hein. Dommage. J'ai zappé toute ma famille. Toute ta famille, juste pour lui. Mes amis, oui. Ah ouais, et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, bah je me suis rendu compte. En fait, je suis tombée sur un mec manipulateur, narcissique. Mm-hmm. Et du coup, bah après, bah je m'en suis rendu compte. Donc je l'ai quitté. Et puis je suis retournée voir mes amis et tout ça. Voilà. Ah ouais. Et vous n'êtes plus ensemble? Non. Bah non. Et actuellement, c'est un regret de l'avoir connu ou... Ouais. J'ai annulé un week-end qu'il m'avait organisé alors que je l'aimais. Ah ouais. Et sa réaction juste après ça et... Bah en fait, il a pas réagi. Ah ouais? Non. Vous croyez à la fidélité? J'y crois, mais avec la société actuelle, ça fait peur, je trouve. Ça fait peur? Ouais. Ah ouais? Ok. Surtout avec genre Tinder, tout ça. Voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Ah ouais? Ouais. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? Franchement, j'ai accepté qu'il me trompe par amour. En fait, j'ai accepté, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, il m'a trompé, je l'ai su, je l'ai attrapé, mm-hmm. Mais j'ai accepté. Ouais. Et après, il n'a pas récidivé une infidélité, il n'a pas repris Si. Mais après, il y a eu d'autres choses en fait qui ont fait qu'on s'est séparés après. Mais sinon, j'ai accepté par amour pour lui, j'ai accepté qu'il me trompe. Mmh. Et un gars a déjà fait quelque chose de plus fou par amour pour toi? Franchement, je sais pas. Mais peut-être il y en a, il faut que tu penses, tu réfléchisses. Ouais, peut-être il y en a. Peut-être. Ok, je te remercie. Merci. Salut. Oh là, c'est une question assez dingue ça. Je sais pas, je dirais...
remettre en question ma personnalité, vraiment remettre en question certaines choses de moi, tu vois, des défauts on va dire, défauts et tout, et essayer de taffer sur ça, tu vois. Ah ouais. Vraiment, pas de grande extravagance, tu vois, des trucs de fou quoi. Ouais. Déjà, le jour de mon anniversaire, il m'a quitté. J'ai pardonné. Le jour de la Saint-Valentin aussi, il m'a quitté. Oh là là. J'ai pardonné. En plus, je me souviens très bien. C'était le 14 février à minuit. Il m'a quitté pour me dire qu'il allait se remettre avec son ex. Oh là. Alors que ça faisait un an et demi, on était ensemble. Non, jusqu'à et j'ai pardonné. Présent. Non, là, on n'est plus ensemble. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour? Bon, en fait, je me rappelle, j'avais quitté de chez moi, j'avais pas le droit. Il était 23h et il y avait plus de train et tout. Et je suis partie dans la ville de mon gars, je suis partie jusqu'à devant chez lui, en pleurs et tout. Et j'avais fait un gros câlin, juste pour lui faire un câlin. Juste pour faire un câlin? Ouais. Parce que après, t'es retournée chez toi? Ouais. Et quand t'es retournée, tes parents, ils ont dit quoi? Je me suis fait niquer. Ah ouais? Dans tout ça, t'as fait ça par amour? Oui, par amour. Elle s'est fait niquer par ses parents, juste par amour. Moi, c'est elles qui font tout, hein. Moi, je suis rien de ouf, hein. Ah ouais, t'es sérieux, mon gars? Ah, je suis sérieux et tout, mais t'as vu, je sais pas, hein. Il n'y a pas eu l'occasion de faire un truc de ouf pour une fille et tout. Mais tant que t'aimes la fille, tu peux faire un truc un peu de ouf quoi, parce que tu l'aimes, ça peut arriver. Ouais, mais tout pas le monde ouf, quoi. Pas de... Non, ah ouais, mais pas dans pas ça. Dans c'est que vous aimez pas le DA. Pas ce point-là. Ah ouais? Ouais, c'est certain. Attends, tu aimes la fille, tu l'aimes tellement, tu peux pas faire un truc de ouf juste parce que tu l'aimes? Non, je crois pas, non. Tu crames ta copine avec un autre mec, tu peux pas, je sais pas... Ça va partir au cul, frère. Ça sert à rien à voir. C'est ça, juste un exemple, en fait. Putain, je n'ai que des mères pour ça, moi, voilà. Ah ouais? Ah oui. Et où? Bah, elle aura pas besoin d'aller voir ailleurs parce que tu vois, moi je donne tout. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais une fille a déjà fait quelque chose de ouf par amour pour toi? Non. 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 Enfin, au début, t'as dit c'est eux qui font ça. Ouais, elles font des efforts et tout, mais je les laisse pas faire des trucs de ouf pour moi. Je dis vas-y. Si ça dépasse des trucs de ouf. Donc pour vous, c'est plus de meufs qui sont en ça quoi? C'est ça. C'est ça. Faut pas, tu vois, on fait des efforts un peu, mais on n'abuse pas non plus. Tu vois, okay. On est pas des mecs mauvais, mais tu vois, on fait des efforts et tout, mais pas de trucs de ouf non plus. En tout cas, je vous remercie. Merci de visionner cette vidéo. On se retrouve au prochain numéro. Big up.